Comment sourire si vous vous réveillez un matin et vous introduiriez un cathéter dans votre cœur seulement pour évolutionner la chirurgie cardiaque? En 1956, Werner Forsman a reçu le prix Nobel pour médecine pour l'invention de cette technique qui s'appelle maintenant cathéterisme cardiaque, méthode qui a utilisé pour diagnostiquer, mais aussi pour traiter de certaines maladies cardiaques. Il est intéressant de noter qu'il a opéré lui-même en compagnie de son infirmière, l'opération étant un grand succès.